Je veux vous raconter l'histoire de notre arrivée ici, en provenance de St. Andrews. Donc, elle a commencé à écrire ses chroniques en 1949. Nom de plume, Margaret Cook. Living in Shrewsbury, sure was grand. Sure like living in Shrewsbury land. On voit la maison dans les années 1920, puis même en arrière, là, où est-ce qu'il y a la forêt. Imbriquées les unes dans les autres. Living in Shrewsbury, sure was fine. Living in Shrewsbury, those pioneer days, we cleared all. C'est, mais la passion, c'est l'histoire locale et la littérature locale. Le conflit religieux, c'est le nœud idéologique de cette fin du 19e siècle. Orange Hall was, of course, where the Protestants came when they felt extreme hatred for the Catholics. C'est un roman de l'amour et de la tragédie, le conflit entre les langues et les religions. Je ne pense pas que les écrivains qui ont quelque chose à dire le disent pour les applaudissements ou les huées, mais plutôt à cause d'une pulsion interne. There are little cemeteries, little private cemeteries like this scattered throughout this pioneer region, of course. It is quite amazing to look back and realize that this was a much bigger community 150 years ago than it is now. Les premiers colons, lorsque visités par la mort, avaient choisi cet endroit élevé et sec, entouré de pins, pour être le sanctuaire des corps de leurs proches. Elle venait ici s'asseoir et elle écoutait les histoires qui étaient racontées par les descendants des pionniers de Gore. Il y avait toujours l'espoir que l'homme peut conquérir la nature. Mais dans la pièce de théâtre, c'est bien évident que ce n'était pas le cas. Qui était protestante, qui aurait une relation avec un catholique, puis c'était mal vu à cette époque-là. Ce qui est très fort quand on lit cette histoire-là, c'est que tout d'un coup, on vit l'époque de ces gens-là. Village délaissé, puis là, nous, on revient sur ces traces-là, puis là, on découvre qu'il y avait derrière toute cette présence-là une histoire des vies humaines, des histoires d'amour, des histoires de meurtre. Le livre le plus important qui a jamais écrit au sujet de notre région. Donc, c'est un roman super intéressant. Oui. Le feu nous réchauffe.